Stop, avant de commencer la vidéo, je prierai les gens politiques qui pensent très sérieusement que je vais mener une analyse politique et parler de mondialisation togolaise à appuyer sur les touches Alt F4 de leur clavier pour améliorer la qualité de la vidéo selon leurs attentes. Pour les autres qui s'attendent juste à un sketch de type humoristique, c'est parti. Hey, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu voter. C'était il y a quelques semaines aux élections législatives. Voilà, on est face à une daronisation du territoire. Mais en allant voter, je me suis dit que ma voix était quand même un peu plus importante que la vôtre. Alors évidemment, pourquoi je dis ça? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même une certaine légitimité à dire cela, je suis pas n'importe qui. Non, je veux pas trop me la péter non plus, mais bon, voilà, faut le dire. Bon, voilà, Passe Muraille de Fort Boyard a déjà aimé un de mes tweets, voilà, c'est dit. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne suis pas comme vous, et donc il fallait que j'exprime mes idées plus directement au président Emmanuel Macron. Comme j'ai perdu son numéro, j'ai cherché un autre moyen de le contacter, et j'ai vu sur internet qu'on pouvait le faire par message sur le site de l'Elysée. Du coup, je propose qu'ensemble, on écrive un message au président de la République. Alors voilà, on est sur le site. Déjà, pour ceux qui douteraient mes compétences politiques, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, j'ai fait éducation civique en 3e. Donc, bonjour cher monsieur le président de la République française et chef des armées. Je viens de penser qu'heureusement que je vous écris pas via Twitter, sinon il me resterait déjà plus que 60 caractères, sachant que de base j'ai un mauvais caractère, il en resterait donc plus que 59. Voilà, toujours très important de commencer par une petite blagounette avant de parler du fond. La dernière fois que j'ai fait ça, la personne m'avait direct répondu derrière. Bon, c'était mon père, il m'avait juste répondu t'es adopté FDP, mais il m'avait quand même répondu. Bon bref, donc, je vous écris ce message parce que j'ai à vous parler sérieusement de choses importantes, parce que c'est bien beau de parler économie, politique et écologie pour soi-disant préparer l'avenir de la planète, mais je pense qu'il y a des choses plus importantes à gérer avant ces détails. Voici donc une liste de préoccupations des Français primordiales à gérer en priorité. Tout d'abord, je propose que l'on bannisse de notre pays certaines personnes qui le méritent au vu de leurs actes, c'est-à-dire celles qui procèdent régulièrement au... celle de la team Daron qui ajoute systématiquement des gros bisous à la fin de tous ses messages, celle de Cheval, et celle qui, lorsqu'ils font une blague, mais qu'elle a bidé, te sort un... Ah mais de toute façon, ça devait pas être drôle à la base. Envoyez-les dans un bled où personne ne va jamais, sur Dailymotion par exemple, ou tiens, en Moldavie, en plus j'ai un cousin Gaston qui habite, à lui seul il représente 3/4 de la population. Ensuite, je propose que l'on s'occupe de la principale source de conflit entre Français, c'est-à-dire que l'on arrête les débats autour de pain au chocolat, chocolatine. Nous sommes en démocratie, ça n'a aucun sens de vouloir trancher sur un nom, de toute façon chacun est libre d'appeler le pain au chocolat comme il le veut. De plus, je propose qu'à partir des prochaines élections présidentielles en 2022, on arrête les débats du second tour, qui ne sont pas forcément très représentatif du candidat et de son programme. C'est pourquoi je propose de régler ça en 1v1 sur Rust à l'intervention, avec Trickshot à la fin évidemment, restons sérieux. Je propose également, pour intéresser d'autant plus les citoyens à la vie politique, que l'on crée une chaîne YouTube de l'Elysée avec différents concepts ludiques et rigolos. Par exemple, vous pourriez faire une vidéo « Franck, j'ai confié le code nucléaire à Jean-Pierre Pernaut, ça tourne mal, explication. » Ou encore « Brigitte rate son 42e jour de Ramadan, je la surprends avec un pamplemousse dans le salon Napoléon III, explication. » Ou encore « Franck, je fais croire à ce mec qu'il est utile. » Alors ensuite, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre d'important? Inverser la courbe du chômage, réduire les inégalités, ouais. Ah si, putain, l'essentiel! Je propose que l'on remette la Légion d'honneur au mec qui a inventé le pain de mie sans croûte. Oui, c'était con, mais fallait le faire. Attendez, qui apprécie la croûte du pain de mie, putain? À chaque fois, tu mangeais tout le contour croûte pour finir avec la partie mie, le meilleur. Ayons le sens des priorités, bordel. Bon alors évidemment, même si je viens d'énoncer les principales priorités du pays, j'en oublie pas les détails qui seraient quand même cool d'améliorer entre deux vidéos de l'Elysée, par exemple le chômage. Après une fine analyse géostratégique de plusieurs secondes, je propose donc, pour réduire le chômage, que Gilles Boulot fasse des enfants. Comme ça, il y aura plus de boulot en France. C'était une astuce. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est sorti tout seul. Et puis en plus, c'était pas une astuce, hein, parce que de toute façon, ça devait pas être drôle à la base. Enfin non, merde, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Bon bah, je dois y aller, moi. Hein. Allez, au revoir, monsieur le président. Gros bisous. Ouais, salut Gaston, y a moyen que je te rejoigne juste quelques années en Moldavie? Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu qui fait super plaisir, je vous le dis. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Merci à Emmanuel Macron qui va bien sûr regarder cette vidéo, je n'en doute pas. J'attends votre réponse, monsieur le président. Allez, en tout cas, merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.